Hey yo tout le monde, c'est Nobelspart pour une nouvelle vidéo, ou plutôt un remake d'une vidéo, parce que j'avais fait une vidéo sur Schloss que j'ai supprimée parce que la qualité était dégueulasse, et j'en profite maintenant, les filles, je vais essayer de les faire sur Pokémon, évidemment, vu que c'est dans mon forum et tout. Et justement, la modératrice qui a préparé une fiche sur Schloss, donc je vais vous la présenter. Et voilà. Donc déjà, on va regarder les statistiques de Schloss. Alors, Schloss, type normal combat, c'est un type intéressant. Il a 120 d'attaque et 125 d'attaque SP. C'est en attaque, c'est d'excellentes statistiques. On a une bonne défense. Mais en contrepartie, on a une attaque SP, une défense SP, une vitesse lamentable. Donc, ce qui va faire que j'avais oublié la musique, mais parce que je trouve qu'on est dans une meilleure ambiance, plus j'ai mis cette musique. Ça va bien avec les fiches. Donc, où on était, oui, donc les statistiques. C'est-à-dire que ça va être un Pokémon un peu sympathique. On peut le faire un bon défenseur, mais aussi un très bon attaquant. Par contre, c'est un peu sa vitesse qui va peut-être être gênante. Voilà. Tof. Il a des talents intéressants, la boule de poil. Ouais. Et maladresse et tension. Alors, attendez. Hop là. Hop là. C'est peut-être mieux comme ceci. Je règle, hein. J'aurais dû le faire avant. Hop. Ce n'est qu'un tout petit réglage. J'espère que ça fera bien à la caméra. Donc, je lance. Voilà. Donc voilà, là on a vu les on va voir les avantages. Donc, bah déjà, les avantages, bon, je les ai déjà cités pour les statistiques. J'ai oublié de vous dire qu'il a, il peut avoir des points élémentaires. Ce qui est très intéressant, donc point élec, point glace, point tout, voilà, tout, vous voyez. Et si vous voulez, il a un bon saving power sur le plan physique, voilà. Donc, il a un bon fou, là. Donc, sinon, dans, après, oui, donc je vous ai dit, il a une faiblesse feu. C'est un truc, c'est que le deux poils, vous voyez, ça fait que sa faiblesse feu, elle augmente. Mais en retour, il a sa défense augmente. Bref, il est faible au type feu. Mais en contrepartie, enfin, vous avez compris le truc. Et voilà. Après, il a des petites faiblesses fées qui sont un peu chantes. Fées, surtout. Mais voilà. Donc, on va passer au premier set possible. Alors, dans les sets possibles, on a le Choice Bander. Choice Bander, bande de choix. Alors, le Choice Bander, vous allez jouer comme ça. Vous allez lui mettre 252 en attaque, 248 en défense, SP et 8 en PV. On va lui utiliser le talent boule de poil. Donc, en objet, bande de choix, Choice Bander. Et on va lui mettre la nature rigide. Dans les attaques, on va lui mettre retour, qui a un bon stab. Surpuissance, qui a aussi un gros stab. Hein. Point de glace pour le point élémentaire et la couverture de type. Et séisme. Pour la couverture de type aussi, vous voyez. Donc, si vous voulez, en gros, donc le talent boule de poil donc va augmenter sa défense, boule reine, faiblesse feu, mais moi, ça aura une meilleure défense. Vous pouvez aussi jouer façade, parce qu'on se prend beaucoup de Willow Wisp, donc pour la brûlure. À la place de surpuissance, si vous voulez éviter le baisse de statistiques, vous pouvez jouer marteau au point. Et Damoclès ou Mania sur destruction. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là. Laisse tomber. Mania ou Damoclès, mais voilà. C'est vous qui voyez. Sinon celui-là c'est le set que vous jouez. Voilà. On a le set Assaut Veste. Donc le set Assaut Veste, veste de combat. On va jouer nature rigide, toujours boule de poil. On va jouer les EV. 252 PV, 252 en attaque cette fois et 4 en défense P. Donc dans les attaques, on va jouer marteau point comme vous l'avez conseillé en deuxième choix au-dessus. Retour toujours, séisme point glace, évidemment. Donc, ah oui, vous pouvez aussi jouer un autre point élémentaire. Par exemple, je sais pas, point éclair. Pourquoi pas. Donc en gros, si vous voulez, la veste de combat, ça en gros,
La veste de combat, ça va nous renforcer défense P. Enfin, ça va. Voilà. Donc on veut le souci la défense P avec la veste de combat comme ici écrit. Donc voilà, c'est pas la peine que je vous répète un peu les attaques stab. Vous savez tout ça. Et donc sinon on peut toujours. En fait ça ressemble très bien beaucoup au-dessus finalement. Parce que vous pouvez toujours remplacer marteau point par surpuissance ou mania par exemple, ou encore façade, hein, pas le problème de statut. Et en fait c'est juste surtout l'objet et les EV qui vont changer ici. Vous avez le set de Bulk Upper. Et c'est le Pokémon que j'aime pas trop. Enfin stratégiquement je l'aime bien, mais voilà, et je fais plein de sets. Mais bon. Là c'est un set beaucoup plus différent. Et celui que j'attendais que justement Elysia me montre, parce que voilà, je l'aime bien ce set. Lui il est trop marrant. Donc toujours vous allez jouer avec les restes. La nature rigide. Le talent boule de poil de 152 en PV, de 52 en attaque et 4 en défense, mais toujours. Et là, vous avez le fouet gonflette. Donc là, on va se placer avec gonflette. Balance pour récupérer un peu de vie, marteau point pour le stab et façade pour le stab si vous êtes empoisonné ou quoi. Donc en gros, si vous voulez, vous pouvez aussi jouer si vous. Ah non, attends, il arrive après le set que je... Ah non. Bah, en fait, si vous voulez, vous pouvez toujours vous mettre sous clonage. Vous avez qu'à mettre clonage sur façade. Vous faites clonage. Vous placez avec des gonflettes. Balance pour récupérer un peu de vie et marteau-point pour le... Et vous attaquez avec marteau-point. Sinon, vous pouvez toujours jouer griffombre. Mais, voilà. Donc, ça, c'est un set vraiment sympathique, je trouve. Et donc voilà. Je sais que c'est le truc, c'est parce qu'en fait j'ai un petit problème. Donc j'ai dû refilmer la vidéo et je m'arrête là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc oui, boule de poil, c'est bien que ça augmente la défense, mais t'as une faiblesse feu. Voilà. Donc j'espère que ces sets vous auront plu. Ouais, parce que l'autre est tellement dégueulasse. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager la vidéo si vous... Dites-moi quel Poké vous voulez voir en fiche. Et voilà. Donc, je pense que j'ai déjà dit dans la vidéo du FSYL numéro 1 que demain on faisait le premier BBC. Bon, voilà, c'était pour moi attraper. Ciao, ciao.